Incroyable. Salut à toutes et à tous, c'est bien évidemment l'hiver, j'espère que vous allez bien. Écoutez, bon, on va dans les comme d'habitude. Et aujourd'hui, on va continuer Mario Odyssey et on va évidemment continuer le 100%. Et on est sur la lune, incroyable. Et comme vous le voyez, probablement ma caméra a dit non. Donc voilà, dans le sens où la couleur est moche et je sais pas pourquoi. Mais bon, en vrai, c'est pas si grave. Bon, allez, on va faire ce petit saut là. Let's go. Un petit saut un peu compliqué que je voulais faire la dernière fois et que j'ai réussi à mettre. Et on va... Enfin, plus d'une fois hein, d'ailleurs. Et moi, je veux mettre ce saut. Et là, on a l'air d'être très bien parti. En effet. Bref, la dernière fois, évidemment, on s'était arrêté ici. Fin de partie dans la crapinière, évidemment. Et du coup, on est y part, hein. Allez, c'est parti. Donc la dernière fois, on avait fait la lune. Si on regarde la map, on s'était occupé de la lune. Il ne manque plus que deux lunes. Dont une qui se trouve du coup dans la Moon Cave. Et l'autre, je sais plus. Ah oui, et l'autre, c'est une lune à chercher dans un autre pays avec un indice, mais voilà, on fera ça après. Et du coup, si on regarde au niveau des autres pays à faire, bon, évidemment il y aura le côté obscur, très obscur. Donc aujourd'hui, ouais, voilà, on va s'occuper du côté obscur, très obscur de la lune, et on va probablement repasser par un peu tous les pays pour essayer de récupérer, bon, les pièces peut-être pas, mais au moins toutes les lunes. Et on regardera sur internet. Et my bad, en fait, il y en a plein au pays champignon, donc on va aller au royaume champignon après. Et je pense qu'au niveau du let's play, il nous reste encore... Attends, mais toutes les lunes là, c'est que des lunes de Toadette? Ah ouais... Attends, qu'est-ce que je peux faire là? Ah oui, parce qu'en fait, j'en ai 13 sur 104, mais parmi ces 104, il y en a énormément, c'est que des lunes de Toadette. Donc ça, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, utiliser les trous de téléportation. Je sais quoi, ça. Ouvrir les roches lunaires, collectionner les tenues. Collectionner les chapeaux, ouais, bon. Chapimorphose. Je regarde un peu ce que j'ai pas collectionné, les souvenirs et les vignettes. Ah oui, ça c'est ce que t'achètes avec les pièces violettes. Utiliser des photos d'indices pour collecter des lunes. Ouais, souvent c'est justement ces lunes-là qui me manquent. Fais écouter à Todd la musique qu'il veut entendre. Ah, il y a un pays où je l'ai pas fait. Ah, peut-être au Royaume Champignon, je l'ai pas fait. Trouver les chapiformes cachées. Collecter des lunes en portant certaines tenues. Bon, de ce que je vois, on a vraiment quasiment toutes les lunes comme ça. Hein. Ouais, il doit m'en manquer quelques-unes, mais j'ai l'impression qu'on les a toutes quasiment. Ah putain. Et au Royaume Champignon, il manque beaucoup de lunes que je connais. Notamment celles où il faut recombattre les boss. Donc on verra. Allez, on est parti. Donc concrètement ici, il faut juste recombattre les lapins. T'as peut-être réussi à arrêter le mariage du patron, mais t'arriveras jamais à arrêter les Brudals. Tiens, viens par là, que je te fasse goûter. Oh, Tommy. Ça va être l'occasion de voir comment on doit les combattre. Ah oui, mais il y a la lune. Il y a la gravité. Normalement c'est lui, c'est pas lui.
Ah lui il va un peu plus vite. Ah. Non. Mais par contre, je comprends pas en speedrun à chaque fois son chapeau là où il se met. Après, ça c'est un truc que j'avais dit, hein, mais j'ai vraiment du mal à les combattre, ces lapins de merde. Je n'y arrive pas. Mais bon, les combats de boss, c'est un truc qui se travaillera et. Mais ouais, ça me saoule un peu parce que j'ai vraiment du mal à les combattre à chaque fois. Ah putain, c'était pas lui. Ouais, le problème aussi c'est le fait qu'on soit sur la lune, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus dur. Hein. Wow putain, c'est chapeau. Faut le toucher que deux fois. Bon. Donc j'imagine qu'on va combattre les quatre lapins. Dans Mario All-Star, faut tous les combattre. Faut tous les combattre en même temps. Alors j'imagine on aura un checkpoint après. Ah! Comment tu trouves notre tanière, Minus? C'est douillet, non? J'espère que t'as bien protégé parce que je vais te renvoyer de là où tu viens. Après, j'imagine, on aura un checkpoint. C'est plus simple comme ça, hein. C'est plus simple en plongeant. Merde. Ok. Elle est facile, elle. Et je pense que j'ai le coup. Le fait de plonger comme ça me paraît être une bonne... Une bonne façon de la combattre. Et du coup, je sais pas s'il faut vraiment enchaîner les 4 sans récupérer sa vie. Et sans checkpoint, parce que là, pour l'instant, bah, on en a pas, quoi. Là, ça va être le bleu normalement. Ouais. C'est sympa par ici, hein, mais il n'y a pas grand chose à faire, je te l'accorde. J'ai une idée, tu me donnes l'Odyssée en échange, je te mets une raclée. Let's go, marché conclu, viens prendre ta part. Bon, lui en vrai n'est pas trop dur normalement.
Ah putain. Oh non, va falloir que je refasse tout. Ah mais c'est parce que la gravité elle est trop chiante à utiliser. J'aime bien quand mes parents ils me demandent des trucs, mais genre quand je veux pas. Oh, faites-le vous-même, bordel. Ouais, vas-y, tant pis. Je vais faire ça. Bon, je reviens dans la VOD, n'hésitez pas à avancer, bien sûr. J'en ai pour trop longtemps parce qu'on me demande des trucs qui prennent du temps quand je demande justement à ne pas être dérangé pendant ces moments, mais bon, hein, c'est toujours comme ça de toute façon. Lasagna, bucatini, vermicelloni, lasagna, terciatelli, spaghettoni, fettuccine, tortellini, fettucce. Perciatelli, barbina, vermicelloni, spaghettoni, amore, maccheroni, picci, picci. Vermicelli, cappelli, pigoli, capellini, fedelini, amore, cirolle, cirolle, matricine, lasagna. Armadio, fettucce, vermicelli, picci, picci. Thank you.
Aïe aïe aïe. En vrai, j'ai pas été trop long. Du coup, il est horrible ce défi. Vu qu'il n'y a pas de checkpoint, je croyais. En vrai, celui qui me pose le plus problème, c'est lui. Hein. Ouais, mais. La gravité lunaire, elle est trop chiante à gérer, genre. Bah, en vrai, il suffit d'attendre dans un coin comme ça. Hein. C'est que lui faut se le faire qu'une fois. Ouais, donc concrètement après c'est juste le violet où faut que je fasse attention. Enfin le bleu. Mais ouais, c'est le timing, je l'ai pas. Hein. Hyper simple. Hein. Pas cool ça. Elle m'a feinté. Genre, j'ai cru que son chapeau, quand il se penchait d'un côté, c'est qu'elle allait par là, mais même pas. Elle m'a feinté. Je me suis fait avoir. Thank you.
Oh putain, je l'avais. Ah, fait chier. Quoi? Ouais, vas-y, j'ai envie de me suicider là. Mon autre lapin, en principe, si tu sais speedrun, c'est le plus simple. Mais le problème, bah, c'est que c'est marrant ça, mais je speedrun pas encore. Bon, j'espère qu'il y a une sauvegarde quand même. J'espère qu'il y a une sauvegarde quand même. Entre là et après. Sinon, je suis dans la merde. On a fait tout ce que nous avait demandé le patron. Tout, on a bossé comme des dingues avec les dents. Et tu t'es pointé minus et t'as tout fait capoter. Alors tu vas payer, viens par ici voir le mignon petit lapin. Ouais, de ouf. Attends, faut faire quoi déjà? Ah. Et après là, il m'attaque pas, si. Ok, bon, heureusement que c'est facile à arrêter. Waouh. Oh, la chatte que j'ai eue. Ok, c'est bon. Ouais, lui il est pas dur. Par contre, j'ai eu de la chasse, hein. De la chatte. Hein. De base, je voulais faire tourner le chapeau autour de moi, je l'ai envoyé en l'air sans faire exprès et. C'est passé. Bon, j'espère qu'il y a une save parce que là. Oh putain, il y en a pas. Faudra que je fasse hyper gaffe. Ah, au moins j'ai un cœur, ça va. Ah ouais, mais si j'ai un cœur, ça veut dire que j'ai pas de save. Non! Vas-y, je suis dégoûté. À droite du tuyau, il y avait un truc, j'en suis sûr. Ah, j'ai pas envie de refaire les combats. Bon, normalement, là, faut capturer les. Eux, là.
attendre un peu qu'il s'arrête. Oula. Ah mais c'était le dernier. Ok, putain mais hyper simple ce boss. En plus ça t'entraîne à revenir pour... enfin à revenir sur, sur le machin. Sur le robot. Bah écoutez, nickel. Bon par contre j'aimerais beaucoup revenir en arrière parce que je suis sûr que j'ai loupé un truc caché. Bon au moins cette lune était vraiment facile. Mais c'est triste quand même de se dire que ce combat là était le plus simple des 4. Alors que clairement non quoi. Ouais, non. Fin de partie dans la crapinière là. Crapinière en mode crapule. Attends, ça nous ramène à l'Odyssée là? Ah! Dégueulasse! Ah non, on se remet normal hein. Mais attends, mais par contre. Y'a que ça comme lune? Je suis assez étonné. Il y a genre pas d'autres lunes. Que je vois pas à quel moment il y en a d'autres ici en fait. Qui dit quoi lui? On est en expédition. Ah bah voilà en fait c'est pour ça. C'est pour ça en fait tu débloques les trucs après. Ah. Je la connais cette lune. Mais attends, je l'ai pas déjà eu? Oula. Ah mais si on l'a déjà fait mais on avait capi à ce moment-là. Oh non. Non c'est my bad, je sais pas utiliser trop les plongeons, c'est pour ça que j'ai du mal. Et après faudra rester en dessous pour faire la dernière billball. Ouais déjà on va prendre la première lune, on verra après. Parce que là ce que je suis en fait c'est qu'ici bah la caméra elle tourne pas toute seule. Ah putain. C'est vrai que vu que j'ai pas capi je peux pas... Là j'aurais dû plonger tout de suite. Mais c'est vrai que vu que j'ai pas capi... Compliqué. Merde. On va trop loin comme ça. Ah j'ai du mal. On va beaucoup mourir je pense ici mais en même temps là c'est parce que j'ai pas l'habitude de jouer avec Capi. Enfin sans Capi pardon. Et en plus bah ici j'avais raté mon coup quoi. Oh, la blague. J'aurais pas dû plonger. Ah non, c'est pas simple quand t'as pas l'habitude, hein, vraiment. C'est insupportable. Vraiment de jouer sans capi dans ce jeu, t'as l'impression d'être handicapé, c'est horrible.
Bon, après, cette zone est en principe pas très compliquée. Hein. Dans Superstar Mode, tu n'as même pas les blocs. Et ça, c'est pour l'aller comme le retour. Là, j'ai bien mis la caméra pour être sûr d'être tranquille. Oh putain. Wow, ça me rend fou, j'y arrive pas. Mais en plus, quelque part, je crois que c'est au pays de la cuisine, il y a un level que j'ai pas fait. Parce que c'est un niveau sans capic, ça me frustrait tellement que j'ai pas voulu le faire. Attends, par contre, là, je me suis mis dans la merde. Ah bah oui. Quoi ? Oh. Wow, mais c'est frustrant ! Mais je déteste les niveaux comme ça ! Ah, les niveaux sans capi, déjà, je les déteste de base, mais celui-là... Tu deviens trop dépendant de capi. Mais juste là, hein, je suis mal, hein, parce que... Ouais. Ouais, voilà. Là, le fait de pas avoir capi, là, ce que je viens de faire, je peux pas faire genre... Je peux pas faire ça et... Ah si, je peux. J'étais en mode, si tu fais ça... On va dire, si tu sautes depuis un mur, tu peux pas te retourner pour plonger. Mais si, du coup. Bon, j'aimerais bien le passer, là, parce que je suis mort un peu, genre, 10 fois, déjà. Putain. Et le problème que j'ai, c'est aussi quand je suis en dessous, j'arrive pas à faire les sauts. Ah mais là ça me fait chier, je suis en train de perdre beaucoup de thunes que je pourrais utiliser genre pour avoir des indices ou je sais pas quoi. Bon après en vrai les indices j'en aurais plus besoin. Ah putain, voilà c'est bon. Bon, du coup, il reste la deuxième lune. Wesh. Mais attends, mais pourquoi lui il est allé loin cette fois-ci? Normalement, il va pas loin. Donc mon but après ça va être d'être en dessous. Et voilà quoi. Ah putain. Mais je crois que la billball est pas partie. Mais en fait, le truc trop chiant aussi, c'est que elle prend ta caméra à l'autre beatball. Ah oui. Ah mais je trouve les sauts en longueur dans ce jeu horrible quoi. Le fait que ça te remette en roulade tout de suite, je trouve ça tellement, tellement chiant. Bon allez, on est reparti. Ouais, je suis déjà mort une bonne dizaine de fois. Attends, je vais faire ça. Ah, en fait, dès que tu atterris, faut sauter quoi. Même pas. C'est horrible, hein.
Je me suis trompé. Je me suis trompé de bouton. C'est un truc que j'aime pas avec Mario Odyssey, ouais, vraiment, c'est les sauts en longueur. Je pense qu'il y a bien un truc qui est mal foutu dans le jeu, c'est les sauts en longueur. Parce que tu as deux boutons pour t'accroupir. À la limite, ils auraient pu faire un bouton qui te permet de spammer les sauts en longueur et un bouton qui te met forcément en mode roulade. Sauf que c'est pas le cas. Et bah c'est très chiant d'ailleurs. Parce que moi, à chaque fois que je me fais avoir, bah c'est comme ça quoi. Impossible, j'y arrive pas. C'est insupportable. J'avais 1900 pièces, hein, je suis déjà mort 20 fois, c'est super. Et d'ailleurs, bonsoir Kyojiro, et bienvenue sur ce streaming. Mais la vraie question, c'est comment tu vas, évidemment. Ouais, parce que je peux spammer le bouton de saut. Ouais, vraiment... les niveaux sans capi sont horribles, hein. Ce qui est chiant, c'est que tu peux pas spammer ton saut pour le saut en longueur. Tu peux pas le spammer. Faut attendre un petit peu, mais le problème, c'est que t'as une petite latence. Ouais, voilà. Le gros problème, en fait, c'est qu'à chaque fois, tu dois rouler un minimum de temps. Et le problème, c'est que ce temps, il est ridiculement court. Donc je pense qu'à la limite, le plus fiable, ça serait de... Ouais, j'aimerais bien spammer mon bouton de son comme là, mon bouton de saut comme là, mais je peux pas en fait. Et bah voilà. Putain, la seule fois que je fais quelque chose de différent, ça marche. Ah, ça me dégoûte! Putain, j'aurais dû faire ça depuis le début. Mais je pense que le truc, c'est vraiment... Tu es censé faire des sauts en longueur parce que c'est vraiment la bonne distance, mais... C'est tellement mal foutu dans ce jeu que non, faut plonger, en fait. Tu as combien de lunes? On va vérifier ça tout de suite, hein. Alors, j'en ai... Alors. Je peux pas voir. Ah oui, du coup ici maintenant il y a des nouvelles lunes qui sont apparues. Il y a de tags de la peigne. Et des tableaux. Oh non. Ça. Oh là là, il y a des lunes. Putain, j'ai un truc dans les. Ah bah oui. Attends, ça veut dire faut que je cherche les tableaux à chaque fois. Ouais, j'espère qu'il y a une lune simple avec lui là. Avec cet observer. Non, il n'y a pas l'air. Hein. Dommage, bah il sert vraiment à rien du coup. Là, il y a un autre tableau. Oh là là. Oh, ça, c'est que des lunes. Je regarderai sur internet pour les faire. Hein. Non, non, non. Oh, ça, c'est des lunes. Je regarderai sur internet. J'ai pas vraiment envie de les faire. Hein. Un peu la flemme. Bon, allez, là, on en a une. Et heureusement, on a Capi. En vrai, la gravité lunaire, je l'aime pas trop. Hein. Vraiment,
Oh, Yordi. Première fois qu'on l'a. Ah. Ah, ok. Ah, mais attends. Ah bah voilà. C'est bien ce qui me semblait, on peut faire un truc avec Yoshi. Je sais pas comment marche son... son truc là. Enfin, c'est vraiment les mêmes sons que dans Mario Galaxy. Hein. Attends, j'ai déjà une lune? Bah ok. Oh mais attends, ça veut dire... Oh non, dans le royaume champignon, il y a une lune comme ça. Enfin, il y en aura deux du coup. Oh non, c'est horrible. Ah, celle-là, je suis obligé de sauter pour la prendre. C'est stressant leur merde. Même ceux-là là, ils sont un peu chauds à obtenir. Ok non. My bad, ça va en fait. On mange le feu. Il me manque celle d'au-dessus. Ok, j'avais peur de pas pouvoir la récolter. Ok, bon au moins c'était rapide. En vrai, on va se débarrasser de lui. Hein. Ah, quoique non. Voilà, comme ça, il reste en vie au moins. Ok. C'est fait, ça. Putain, mais il y a encore un tableau ici. Si ça se trouve, en fonction du nombre de lunes que tu as... Bah, tu récoltes des tableaux. Mais attends, ça veut dire qu'on va revenir au moins une fois dans chaque pays pour chaque tableau. C'est pour ça en fait, toutes les lunes de ce pays, t'en as quelques-unes où c'est des défis. Bah, je pense à chaque fois il y aura des petits défis là où il y avait les boss lapins d'avant. Mais c'est que des lunes qui proviennent d'autres pays en fait. Genre là, c'est quoi la différence par exemple? Que tu sais même pas hein, si c'est un PNJ ou si c'est... Ou si c'est un fruit qui manque, tu vois. Ah, je l'ai trouvé. C'est là... En haut à droite, tu as... Bah, t'as l'espèce de marmite. Et juste à sa droite, t'as une fourchette bleue qui n'est présente que sur la photo de droite. Tu as déjà empoché la lune qui était au sommet, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Tu as dit si tu veux te défouler... Oh non. J'ai pas envie de les recombattre en fait. Oh non. Pas encore. Pas encore un niveau sans capi, mais non arrêtez, j'aime pas ça. Bon, en vrai, ça va. Tout va bien, ne pas s'énerver, garder son calme. What? Mais attends, genre...
Attends, quoi? Mais y'a pas le temps. Ok, je me suis bonk. Oh, ça va me frustrer. Pourquoi tous les niveaux sans capi, ils sont frustrants, c'est incroyable. Bon, là j'ai vraiment pas eu de chance, genre... J'ai vraiment sauté au-dessus. Alors que j'étais en mode roulade. Non! Ah, j'en ai marre! Ah, qu'est-ce que je déteste la roulade et le saut en longueur dans ce jeu! Pas la roulade, mais le saut en longueur dans ce jeu, je le trouve mal foutu! Genre là, c'est le deuxième level en 10 minutes où c'est le cas, genre. Mais même, depuis que je joue au jeu, certes, c'est la première fois que je joue au jeu, donc on va dire que je suis pas à l'aise. Mais quand même, genre... En fait, le truc, c'est que je connais le saut en longueur de Mario Galaxy et genre, il est différent. Mais mieux, juste mieux foutu, quoi. Ça, c'est le genre de lune, c'est la raison pour laquelle je ne ferai jamais le 100%, enfin, c'est la raison pour laquelle je ne referai pas le 100% avant un long moment. C'est vraiment pour ces lunes, hein. Parce que là, c'est chiant. Hein. Et c'est reparti pour un tour. En fait, mon problème, c'est que j'ai pris mon temps là, je pense, mais quand même. Bon, au moins, c'est fait. On n'y retournera plus. Ah, le saut en longueur, vraiment, je suis allergique à ce saut en longueur. Et j'espère dans la run, on l'utilisera le moins possible parce que là, c'est fort embêtant. Mais du coup, ça veut dire vraiment toutes les lunes de ce pays. Genre, il peut pas... Attends, parce que là, j'ai combien? J'ai 7 lunes sur 24, donc il m'en manque... Il m'en manque combien? Il m'en manque 17. Il n'y a pas 17 pays. Mais j'aimerais bien que ces combats ne soient pas obligatoires. Putain. Non mais je les aime pas en fait ces boss. J'aime pas les faire. Yeah.
Surtout la gravité en fait. En soi ils sont pas durs, mais c'est vraiment la gravité lunaire quoi qui casse tout. On va dire que ça m'entraîne à les faire, avoir les timings et tout, mais le problème bah, c'est qu'il n'y a pas d'histoire de timing vu que c'est pas ça qu'il y aura dans... si je devais faire le speedrun. Il n'y a pas de gravité lunaire quand on les combat normalement. Même contre la mama là. Après, en vrai, le plus dur, c'est le bleu et le vert. Next. Ouais, lui, je vais arrêter. Hein. Juste, j'y arrive pas. Hein. Bah ouais, mais ça sert à rien. Bah ouais. Ça sert à rien, ce que je fais. En fait, faut vraiment juste que je l'esquive. Ouais bon, je le saurais. Hein. Je le saurais. Ce boss, ça sert à rien d'essayer de le choper directement. Je peux le faire en sans gravité lunaire, mais le problème, c'est que la gravité lunaire, si je commence à m'habituer sur ça... Si j'ai le timing sur la gravité lunaire, bah, ça veut dire que je l'aurais pas normal, donc bon. Aucun intérêt. Il m'a sauté dessus tellement rapidement, ça m'a surpris. Quoi ? Ah ouais, ok, donc tout à l'heure j'ai... Ah mais attends ! Ah, je l'avais pas vu ça tout à l'heure. Merci. Oh merci, je suis pas obligé de tout refaire. Oh merci. Oh du coup, je vais pouvoir aller à droite. Ah, c'est le Captain Toad à droite, non? Oh putain. Oh merci, je suis pas obligé de refaire ces combats de merde. Oh non, une fois c'est suffisant, faut pas les faire deux fois. Oh merci. Mais du coup, est-ce que là, il y a encore la boss? Enfin, il y a... encore eux, quoi. Ah ouais. Est-ce que je suis obligé de les faire? C'est vraiment des petits bâtards, hein.
Bon allez, on va le faire histoire de pas perdre d'argent. Oh quoique, vas-y, hein. Ça fera gagner du temps. Ah, ok. Topper, l'empileur, Rango le bon tisseur, Harriet l'explosif, Spiwart le crasheur. Il n'y a pas vraiment de jeu de mots. Hein, parce que, comme ça, Rango et Harriet, je comprends pas trop. Mais Topper, l'empileur... Ah, ça doit être des jeux de mots en anglais. En mode spew. Ça ressemble à spitonyme, tu vois. Votre destination en 3 points. Assurez-vous d'examiner tous les récoins de légumes de pierre. Il y a 4 clés dans ce pays et vous les connaissez. 4 clés. Attends, j'ai regardé de quoi il parle. Les 4 clés Mario Odyssey. L'une. Il n'y a pas l'air d'avoir. Bon. Bah écoutez, on va partir sur le pays. On va partir sur la lune ultra obscure là. Je sais plus comment il l'appelle. Ah, ici on n'en prendra pas plus, hein. Donc là j'avais pris 10, donc ça veut dire qu'il va y avoir 14 dans tous les autres pays. Il y a 14 pays dans le jeu. De 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et même 15. Ok, donc bah, je pense pas qu'il y en ait sur la lune vu que bah, on était déjà dessus. Ok, bah non, bah ça veut dire que on a toutes les lunes de cet endroit. Bon, en même temps, je vois pas à quel moment j'ai pu en rater une, mais bon. Normalement, c'est que des lunes des autres pays. Et j'espère que ces lunes sont là de base sans que j'ai besoin de regarder où elles sont. Allez, côté très obscur, on aura Capi et pas la gravité. Et ça, j'aime. Et du coup, ici, bah, on a qu'une lune. Enfin, c'est une triple lune. On est venu pour vous soutenir. Ce qu'il faut encourager pour venir jouer les héros par ici. Ça ne va pas être facile, flon. Prudent, fait merde de fureté. Ça va être un peu chaud, mais je suis sûr que tu vas te régaler. Bonne chance. Dans une bonne danse d'engorgement. Essaie de garder ton calme quoi qu'il arrive. Hip hip hip, ouah. On croise des rouges bourdois. Face à l'adversité, l'important c'est d'aller de l'avant. Boif, je suis sûr que vous allez gérer ça comme des as. Fais gaffe à toi. Attention danger. Il vaut mieux ne pas continuer plus loin. Fils de pute. Toi tu dis un truc. Bon, c'est sympa cette petite fête. Et y'a rien en dessous, y'a pas de secret avec lui. Elle a dit un truc. L'audace vous va à merveille mon cher, vous êtes absolument superbe. Nous aussi nous sommes venus t'encourager. Bah merci. Ah, est-ce qu'on va devoir utiliser toutes les transformations? Oh putain. Oh le super saut là. Oh ici, yes, si. Attends. On va essayer de faire le moon skip, mais ici. Si.
Ah mais attends, mais il me faut une grenouille en fait. J'ai retiré ma grenouille, mais il m'en fallait une. Pensez que ce soit... Je pense que ce soit vraiment été étudié pour ne pas être possible. Ah, il y aura encore besoin d'une grenouille pour aller tout en haut. Oh, je suis sûr qu'il n'y a pas besoin de grenouille pour là. Ah, j'ai envie de tenter quand même là. Mais bon, je sais que ça ne passe pas du tout. Mais j'ai quand même envie de tester pour voir. Oh. Ah ouais, on est tellement loin. Ah ouais, j'ai fait que la moitié. Ah, et la musique qui se stoppe d'un coup. Bon allez, on est reparti pour bah, perdre des pièces de nouveau quoi. Bon allez, c'est parti pour, en principe, la pesanteur est plus forte ici. Pour le niveau le plus difficile. Et est-ce que... Est-ce qu'on est... Est-ce que ça me fait un peu chier d'utiliser des Goombas, honnêtement, pour battre ce mob? Est-ce que le... Bah non, il n'y a pas de lune. Non, non, bah ça sert à rien, j'ai pas besoin de faire ça. Tant pis. Oh putain. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ici? Ah putain. Ah, je suis obligé de l'avoir. Pas évident ça. Ouais vas-y hein. Ah putain. Ouais vas-y tant pis. Vraiment pas évident ça. Faut un timing court. Ah, par contre, j'espère qu'il y aura au moins un checkpoint. Hein. Bon, ça, je sais vraiment pas à quoi ça sert parce que c'est vraiment hyper simple. Ah, tiens. Bon. Par contre, j'ai pas compris pourquoi là il m'a tapé.
Non, j'étais en train de me demander, est-ce que je peux pas aller tout en haut et faire genre un long jump ou je sais pas quoi. Ouais, on peut. Hein. On peut, mais je pense que ça vaut pas le coup de le faire. Bon, je vais attendre un peu. En plus la vision n'est pas folle. Ouais. C'est bon là. Ah, ok. Bon, j'aurais bien aimé avoir un cœur après, tu vois, après ce passage. Ouais, on va repasser par toutes les transfos. Il y a des chances qu'on ait un cœur en faisant le tour. Putain, mais c'est des bâtards, pourquoi? Ah. Merci. Je me disais, tu vois, c'est bizarre d'un point de, du point de vue des devs d'avoir fait ça. Bon, je vous avoue, je vais prendre mon temps. Hein. Qu'on n'aurait pas une vie ici, il y a des chances. Ouais. On va attendre un peu qu'ils viennent. Ça c'est chiant par contre. Mais ça, le problème, c'est qu'on n'a jamais utilisé Yoshi avant, donc je sais pas comment l'utiliser. Ok. Ouais, je sais pas utiliser Yoshi, moi. Hein. Pile cœur, hein. Y'a quoi ici? Peut-être de quoi avoir un gros cœur, je sais pas. Citation voyageur, à toi et au coup, je fais quelque combat. Nature de réponse, j'ai des questions. Quel est le seul pays dans lequel je n'ai jamais posé mon auguste géant? Pays de Bowser, il y était, forêt, il y était, sable, il y était, mer, j'ai... Bah si, mer, il y est, bah c'est Bowser où il y est jamais allé. Ah, je croyais qu'il était là.
Répondant juste à au moins une de mes questions dans chaque pays que j'ai visité. L'heure du dernier round a sonné. J'ai bien des pouvoirs, mais qu'est-ce que je ne suis pas ? Imperméable, je pense. Ah. Ah ? Oh, c'est pas cool ça. Bon. Oh non, on va avoir... Oh non. Non! Attends, quoi? Ah. J'imagine que si on saute dessus là. Bon, lui par contre ça va me poser problème parce que je sais pas l'utiliser. Bon allez, on va essayer. Bah en vrai faut juste que je reste appuyé sur B, non? Bah ouais. Tant mieux que ce soit facile parce que là... Ouais, on va pas prendre de risques, hein. Ah putain. Ah mais c'est vrai que j'ai 5 vies. Il y en a trop. Putain. Oh. Oh là là. Oh le cauchemar. Je vais recommencer du début.
Mais en fait, c'est pas marrant, c'est long. Moi, ça m'amuse pas, ça. Putain, mais c'est un truc de ouf, genre je vais vite, alors d'où j'ai pas assez de vitesse. Là, faut que je sois vraiment en mode sprint, hein, sinon il veut pas. Hein. Bon, ça va que maintenant là je suis plus en mode découverte donc je peux aller plus vite, mais quand même. Frustrant là ce qui vient de m'arriver. Mais c'est vrai qu'ici il y a une vie. On est obligé d'attendre, sinon on se les prend. En réalité, faut juste faire ça. Hein. Bon, elle est facile cette phase, mais quand tu connais pas Yoshi, c'est un peu chiant. On va reparler au Sphinx. Hein. Ah, il y a déjà la vie. Et est-ce que je peux lui reparler du coup? Ok. Alors. Mais je ne suis pas excellent jardinier. Tu es malin et tu fais le malin, ce n'est pas fini. Tu pourras recommencer et répondre à nouveau comme d'habitude. Concentre-toi et choisis bien ta réponse. Qu'est-ce qui m'impressionne le plus chez toi? J'ai osé te parler, le chapeau parlant, je t'ai escaladé. J'ai osé te parler. Non seulement tu as osé me parler, mais en plus tu réponds juste décidément, très impressionnant. Plus que deux questions. Pourquoi est-ce que je pose des questions à ceux qui s'adressent à moi? Pour t'occuper. Ah.
que je sais même pas pourquoi je lui réponds. Hein. Bah attends, on verra. On va voir tout de suite pourquoi il me pose ces questions. Qu'est-ce que ça me donne? Lune, face cachée, sphinx. À quoi il sert celui-là? Côté très obscur. Le pro combat est facultatif, mais battre l'ovni vous permet d'obtenir un double cœur. Ah! Ok. Alors, parlez au sphinx, marquez absolument cette halte, répondez à l'énigme, car vous serez récompensé d'un double cœur. Notez qu'il y a encore une dernière énigme pour vous remercier, vous pourrez amasser un bon pactole en y répondant. Et tu me donnes pas les réponses ce jeu. Bon du coup, après il y a ce qu'on va faire maintenant, après il y a le fly, après il y a les fourchettes, après il y a la phase avec la plateforme et les machins qui te sautent dessus, après il y a l'oiseau, une phase 2D et le Bowser. Ok, bah du coup le sphinx nous donne de la thune, donc à voir si je repère, évidemment on le fera. Hein. Faut vraiment faire un tout droit. Hein. Vraiment pas intéressante cette phase. En vrai le level n'est pas si difficile, mais c'est juste qu'il y a des petits coups de pute. Enfin, en vrai le plus difficile c'est la phase d'après. Hein. Merde. C'est la phase d'après, hein, clairement. Cette phase là, elle est horrible. Que ce soit l'oiseau ou... Ah mais je l'avais pas vu avant ça, mais... Ouais, en fait, je voulais passer tout à droite, moi. Mais du coup, j'ai raté parce que les oiseaux, je suis pas à l'aise avec. Bon, l'avantage c'est que cette phase donne beaucoup d'argent, mais bon, j'aurais préféré avoir un petit checkpoint, tu vois. En fait, ce qu'il faut, c'est que je tournoie pour être sûr de pas me rater. Bah yes, hein. Ouais, en fait, faut même pas. Mais le problème, je trouve les oiseaux vraiment pas simples d'utilisation.
Ok. Ouais, il y a une vie entre. Bon, en vrai, c'est simple. Bon, je préfère pas prendre de risques. Hyper courte cette phase 2D. En plus, j'allais dire, on n'est même pas obligé de la faire, mais si. Ok, il manque Bowser. Bon, du coup, sur internet, ils ont dit le tout c'est vraiment d'esquiver les rochers, quoi. C'est pas grave en vrai. Attends, c'est tout? Quoi? Mais attends, mais ils disent d'éviter les rochers, mais le truc c'est que t'as tellement de vie que c'est imperdable. Ah, et là il y a le thank you. Ok, je croyais qu'il fallait tout allumer, mais non, ça s'allume tout seul. Comme dans les niveaux de Mario Maker. Et pourquoi t'as besoin de Capi pour faire ça? Ok, bah non, my bad. Le level est vraiment pas dur en fait. Ah non, j'ai dit que selon moi, c'était possible sans les grenouilles. On a traversé tout ça de pays. Ah ouais, non. Ah si. Ah bah attends, il suffit que je le lance d'ici en fait. On t'en est parfois pris plein la carotte. Oh non. Oh non. Je veux cet argent. Oh. Argent. Bon, je pense qu'on l'a vu que c'était possible sans grenouille. Mais est-ce que nous, on n'est pas un peu speedrun et on a besoin de prendre la grenouille? Imagine, là, je meurs. Truc horrible. Putain, la hauteur que ça m'a donné. Mais attends, mais ça paraît vachement loin quand même. Hein. On a vu plein de chapeaux. On a vu plus de chapeaux que la plupart des caboches, pas vrai? Oh, probablement.
Vraiment quelque chose de voyager avec toi. Mère aussi, Mario. Ok, vous obtenez le chapeau d'invisibilité. Si vous voulez tout mon avis, je ne vais pas le garder. D'ailleurs, c'est pas normal qu'on ait une... C'est pas normal qu'on voie notre ombre si on est invisible. Chapeau d'invisibilité. Hi. Bon, évidemment, on revient comme on était, hein. Ok, et bah on a fini le côté obscur. En vrai il est simple, hein. Il est pas difficile, mais c'est juste que bah, c'est frustrant de recommencer du début, je trouve. Mais en vrai ça va. Bon et bien, putain ça aura pris 1h30 de faire le côté obscur et très obscur, putain quand même. Bon et bah écoutez, on est y part pour le royaume champignon, on va probablement acheter des lunes avec le Toad bleu. Mais non, avant ça, si je sais, il y a des lunes qu'on peut faire facilement. C'est les lunes des graines du labyrinthe, il me semble, qu'on a à récupérer. On a les lunes de Yoshi à faire aussi. Et les lunes des boss, des rematchs des boss que j'ai pas fait la dernière fois. Donc ça, c'est que des lunes que je peux refaire. Et même là, je crois... Ah non, je croyais qu'il y avait le Toad musical, mais non. Le Toad qui écoute de la musique, mais non. Genre là, t'as que des lunes dans ces trucs-là et j'en ai pas faites. Il y a l'eau aussi, l'eau je l'ai pas retirée. Ouais, et là il y a une lune encore, je pense. Donc il me reste des choses à faire quand même. Attends, comment je suis censé aller en haut? Attends, déjà on va faire ça. Donc là comme ça on retire l'eau. Et après là faut qu'on débloque Yoshi, mais le problème c'est que je sais pas comment on monte en haut. Normalement c'est derrière. Mais le problème voilà c'est qu'il y a elle derrière. Ah là, il me faut la casquette à l'ancienne. Parce que je pense pas que ce soit possible. Hein. Il me semble que Small and Tattoo, il l'avait essayé et il est pas faisable. Ah non. Ah bah c'est là. C'est quoi ici? Je sais plus si j'y suis allé ici. Bon, d'abord... Bon, vas-y, on va regarder maintenant parce que je sais pas si je l'ai fait ça. Ok, je l'ai fait. Attends, je me souviens de cet endroit? J'ai pas pris toutes les lunes ici?
Waouh. Non, mais j'ai pas aimé ce level. Au moins t'es remboursé ici, mais... Ah oui, putain, si je me souviens. En fait, faut se prendre un coup. Hein. Pour réussir ça, faut se prendre un coup. C'est pour ça, sinon c'est trop compliqué. Bah, c'est fait. Aïe, aïe, aïe. Bon, je pense qu'il est sur un Toad. Hein. Putain, il faut que je re-retire l'eau. J'imagine qu'il y a une lune tout en haut. Même pas. Hein. Alors, quel est l'intérêt pour moi d'aller en haut à part voir tout le royaume? Ah oui, il y a les graines aussi. Oh, attends, en vrai, on va faire ça maintenant. Que j'ai pris aucune lune ici. J'attendais qu'elles poussent toutes. La graine du pâturage a fleuri là. La graine du prélé a fleuri là. La graine du jardin a fleuri là. La graine du lac a fleuri là. Beaucoup de graines. Bon allez. Ah, d'argent là. Ouais, logique. Il est pas dur ce boss. L'avantage en vrai des rematchs, c'est que ça nous entraînera sur les boss obligatoires. Et lui, il fait partie des boss obligatoires. On va être obligé de les faire. Il y en a deux. En vrai, la tactique n'est pas... Je l'ai eu tout de suite sans faire exprès. Ouais, bon, en vrai, c'est pas grave. Oh là là, imagine s'il y en avait d'autres. Ça aurait été horrible. Bon, en vrai, ça va parce qu'il nous donne 5 vies. Mais non, attends, j'ai pas compris, il y en a un ou deux.
Ah. Non, en fait, il y en a un, mais il est juste tellement long qu'il se sépare en deux pour cette attaque. Ah putain. Bon allez, il m'en manque plus que deux. Je pense que de faire ce boss là en une phase, c'est pas facile. Putain, j'arrive pas à le toucher. Ah putain. Ah enfin. Ah non, en fait, non, ils sont bien deux, mais c'est juste qu'ils se lient ensemble. Ok. Ah, et chaque boss te redonne une triple lune. Ah ouais. Bon, après, en soi, quand tu fais... Quand tu ouvres ta carte... chaque endroit ne donne qu'une lune. On va dire, sur les 104 lunes du royaume champignon, ça, c'est considéré comme une lune unique, mais évidemment qu'il t'en donne 3 en réalité. Et heureusement qu'il y a des triple vies quand même. Bon, après, j'ai quand même réussi sans, mais... On peut confondre la deuxième ou la troisième fois, mais la première, on n'oublie pas. Bon, du coup... Là, on va combattre le poulet. C'est très suspect. Ah, ah bah non, le poulet, c'est vrai que c'est... C'est pas lui. Mais du coup, on combat quoi? Le mecha qu'on vient de faire? Ah, et là, j'ai pas 3 vies, par contre. Écoute, je vais me suicider parce que là... Oh putain. J'avais oublié ce qu'il fallait faire. D'accord, bah Mario n'a pas sauté. Ça aurait été bien qu'ils disent « Mamma mia !» Quitte à aller à la référence, on va dire, autant y aller jusqu'au bout, tu vois. Qu'est-ce que dites ça? Il a rien demandé, lui, on lui a juste volé sa bague. Qui vient. Mais attends, à quel moment je suis censé esquiver tout ça?
facile hein, leur truc. Je suppose que dans le truc All-Star. On combat ce boss. C'est vrai que les momies, c'est un bon ajout bien embêtant. Ah ouais, mais non, ok. Ok. Non, j'étais en mode non, je veux pas recommencer, genre. Mais n'empêche, c'est horrible parce qu'on détruit leur dieu quand même. Parce qu'à chaque fois, les méchants qui proviennent de Bowser, à chaque fois, ils sont robotisés. Genre le boss fleur là. Le boss fleur mécanique, enfin robot, bah, il provient vraiment de Bowser, je crois. Pareil, le mecha Wiggler. Mais lui, non, il habitait là, on lui a juste pris son anneau. Il a rien demandé et on va le tuer, nous. C'est horrible. Bah tiens, le boss fleur. Et après j'imagine qu'on a... On aura le poulet aussi. On aura le poulet du pays des fourchettes. On se bat, ce n'est vraiment pas dur hein, normalement. Ah. Quoi? J'ai été touché là, vraiment? Mais comment ça se fait que j'avais 3 vies contre... Comment ça se fait que j'avais 6 vies plutôt contre le Mecha Wiggler? De toute façon, même la première fois que je l'avais fait, je l'avais trouvé facile ce boss, donc bon. Il est très simple celui-là pour le coup. Oh, c'est une petite difficulté en plus. Rien de bien compliqué pour le coup. J'ai fait tomber de l'eau sur moi.
nom. Ah, j'ai reçu un message. Ah ouais, non, en fait, sur Discord, c'est juste ma propre notification. Vu que je suis viewer de moi-même. What the fuck? Comment ça se fait que j'ai pas pris les dégâts, bon. Bah j'ai tout fait. Il me semble que j'ai commencé par lui, non? Non, non, il y en a un là-bas aussi. Non, il me semblait bien que je les avais pas tous faits quand même. Enfin, il m'en manque en théorie deux, donc bon. Donc là, on a le poulet. Bah, en vrai, ça permet de s'entraîner. Bon, le problème, ce qui est très triste, c'est que la fleur, bah, c'est le seul boss pas obligatoire, quoi. Non, putain, il y avait un cœur. Bon, c'est pas grave. J'espère le cœur a pas des pop. Putain, j'ai perdu une vie pour en récupérer une. En mode c'est pas grave en vrai parce que de toute façon là suffit de le toucher. Par contre je pensais pas le toucher d'ici justement. Bon je me demande si on peut sortir de la transformation de bulle de lave, mais j'avoue que j'ai pas très envie de le faire. En fait, c'est pas logique de pouvoir contrôler de la lave. Non, non. Ouais, bien, à nouveau de fer. Et du coup, maintenant. Ah. J'ai très probablement pas fait la course. En effet. Je tente le coup. Ouais, standard, on n'a jamais fait. Je vois pas ce que j'aurais pu louper. Ah ouais, ok. Ah putain. Putain! Ouais, tant pis. Waouh!
Attends, je l'ai vraiment dépassé à la fin parce qu'il saute, je crois. Tu sais, il a fait le malin et il en a perdu. Eh bah putain. Bon, par contre, j'ai totalement raté mes trucs, hein, genre c'est incroyable. On a un nouveau roi de la course parce que j'ai fait la roche lunaire. Mais c'est dommage. Ils auraient pu faire un truc mieux pour cette course quand même. Putain, sur le chemin là, j'ai récupéré deux fleurs. Ah oui, j'en avais de l'avance là, le Dory vient à peine d'arriver. Mais quelle vitesse! GG! Bon. Donc il nous manque le dernier. Ah ben non, en fait. C'est quoi ça? Portrait craché. Bah non, a priori. Ah mais ok, j'étais en l'air. Bon, ça, j'étais en mode. Ah, j'ai pas pris cette épée. Du coup, au niveau des boss. Bah, a priori, il y en a que 4. On n'a pas vu le boss poulpe. Mais il me semble, la dernière fois, on l'avait vu pourtant. Ah, bah, attends, est-ce qu'il serait pas ici du coup? Ah, c'est pour ça. Attends, j'aurai assez d'eau là? Ah mais peut-être que je peux voler tout le temps grâce à la pluie. Ah très probablement. Mais attends, mais comment je fais? Ah, faut que je fasse ça. Merde. What? Bon, a priori on a eau infinie en fait. En fait, faut lui tirer dessus, mais c'est pas évident, ça. Ah bah, là, j'ai assez d'auteur. Comment ça se fait? Ah oui, non, et après, il se lève. Merde. Ah, et après, ok. En fait, faut attendre, d'accord. Ah putain. Bah il est pas évident en fait lui, mais parce que la façon de le battre c'est pas la même que la dernière fois. Ah putain. D'accord. Ah non, je suis trop bas.
Je sais pas s'il y a une façon de le battre lui. Ok, non bah je sais pas si... S'il y a une façon plus efficace de le combattre, mais bon. Bon. Ok, bah du coup on a fini les 5 boss, il me semble hein, qu'il n'y en a que 5. Sauf s'il faut recombattre Bowser, mais Bowser normalement non, il n'y a pas besoin de le recombattre. Normalement, on recombat déjà sur la lune, donc je pense qu'il n'y a pas besoin. Ok. Eh bien, continuons. Du coup, qu'est-ce que j'ai comme lune là? Il y a les deux lunes de Yoshi à faire. Il y a a priori la lune de Toad musicale, mais... Pour moi, je l'ai déjà faite celle-là. Ah, il y a lui aussi. Ouais, je pense qu'il est sur un Toad. Hein. Oula, mais attends, mais... Enfin, j'allais dire, c'est... mais c'est vachement long. Tiens, on va retirer ces trucs-là. Ah, et après c'est à gauche. Ah, j'arrive pas à voir. Bon, normalement pour monter après c'est ici. C'est pas ici. C'était de l'autre côté. Mais attends, mais... Ah merde, putain c'était là. Putain c'était vraiment mal là, mais juste je le voyais pas. Alors Yoshi. Et on zabardé. Hein? Oh. Mon voyage avec Tiara est absolument merveilleux, j'en ai des souvenirs plein la tête, et puis j'ai compris quelque chose. J'ai compris combien il est précieux de découvrir des horizons inconnus et de rencontrer des gens différents. J'ai aussi remarqué que partout dans le monde, les gens ont la même lueur dans le regard quand ils sourient. Maintenant, j'ai envie de voir fleurir des sourires sur le plus de visages possible. Du coup, j'ai invité des gens du monde entier au château. Ce voyage avec Peach était vraiment merveilleux. J'ai un petit souvenir de... Eh ouais, une lune. Fais-en bon usage. Tiens, une lune qui a vachement une forme de lune. Et vous deux, Mario Capi, vous continuez votre odyssée, je vous souhaite plein de bonnes choses. Ah, est-ce que ce serait pas... Ah ouais, non. Bon, du coup, maintenant, la question, c'est où se trouvent tous les fruits? Et honnêtement, je n'ai pas envie de me poser la question, donc j'ai juste regardé sur Internet. All fruits Yoshi dans Mushroom Kingdom. Bah alors déjà, il y en a tout en haut que j'ai pas pris a priori. Ouais. Bon, je vais vraiment les prendre tous dans l'ordre. Hein.
Bah. Mais je fais comment pour Yoshi pour remonter alors? À moins qu'il y ait un autre œuf. Ah oui. Alors. Oh putain, c'est vrai qu'il y avait une lune ici, je l'avais totalement oublié. Ok, c'est là-bas. Attends, je suis censé les prendre comment? Peut-être en... avec ma langue? Ah oui. Ok. Après. Là, il y a ces... il y a ceux-là. Donc là, on a pris tous les fruits du... autour du royaume, enfin autour du château. Ah, et après on peut remonter comme ça. Ah ouais. Ouais mais putain attends, il va y avoir combien de lunes à récolter avec Yoshi? Est-ce qu'il n'y aurait pas une lune à peu près par endroit? Parce que là il y en a dans les arbres quoi, c'est ça qui est fou. Ah merde. Ouais il y en a plein ici. Hein. Oh putain. Mais il y en a ici aussi. Mais moi je croyais qu'il y avait que deux lunes, mais en fait il y en a au moins quatre. Hein. Je pense parce que juste ici là, il y a de quoi en avoir une entière. Après il y en a encore deux en hauteur là. Aussi. Putain. Ah, il y en a encore une là. Bah écoute, moi je vais suivre exactement ce qu'il fait le mec dans la vidéo. Ah putain, mais c'est encore une lune de Yoshi ça! Ah ouais, rien que ça. S'énerve.
Mais non. Bah, c'est bien ce qui me semblait, hein. Et je suis pas obligé de reprendre des fruits que j'ai déjà pris. Par contre, c'est juste horrible à utiliser, je trouve. Oh, du coup, j'imagine qu'il y a deux lunes à prendre avec Yoshi. Oh, quoique. Horrible à l'utiliser. Ah bah je suis obligé. Un autre truc frustrant, c'est pourquoi Yoshi est moins... Normalement, tu es censé pouvoir faire plusieurs, on va dire, courses en l'air. Dans Galaxy, c'est le cas en tout cas. Et là, ce n'est pas le cas. Après, il y a la deuxième lune que j'ai prise. Attends, what? Ah oui. Là, il est en train de montrer la lune de Yoshi dans la lune. Oh non, il y a un autre level dans la lune que j'ai pas fait. Voire deux. Ah ouais, je l'ai pas fait ça en effet. Attends, je regarde s'il n'y a pas une autre lune dans le royaume champignon, mais j'ai pas l'impression. Ah non. Ah ouais. Dans le royaume champignon, il n'y a pas d'autre lune. Par contre, faut revenir au côté obscur de la lune, en fait, il y a des lunes que j'ai pas faites. Mais a priori, ici, j'ai tout fait. Je suis étonné qu'il n'y ait pas d'autre lune de Yoshi, en fait. Il me semblait qu'il y avait des... Il y en avait un peu partout, des fruits, mais non, a priori. Bon, du coup, on a quoi ici? Ah. C'est vrai qu'il y a ce boss. J'avais oublié. Bon, après, c'est pas le plus difficile, hein. On est sur de la glace. Bon, après, est-ce que ça complexifie réellement le truc? Oh, ça, oui. Bon, après, l'avantage du dragon, c'est qu'on a, on a quand même de quoi récolter beaucoup de vie. Hein.
Merde. Waouh. Bon, en vrai. C'est ce que j'allais dire, le dragon n'est pas dur. Genre, il y a moyen de gagner du temps, mais là, j'ai juste raté mon coup. Mais il y avait moyen de rendre plus dur hein, quand même. La glace ne complexifie rien en fait. Allez, ça t'ajoute 5% de difficulté mais sans plus tu vois. Alors que là par contre les trucs à esquiver ouais c'est un peu chiant. Bon après tout simplement pour les esquiver il faut sauter au-dessus en fait et comme ça bah, tu te poses pas la question. Ok. Qu'est-ce qui me manque ici du coup? On a pris pas mal de lune quand même. Hein. J'étais à combien? J'étais à 14. Ah, s'il m'en manque pas mal quand même. Ouais, tous les boss, c'est bon, je les ai faits. Ouais, il m'en manque pas tant que ça. Hein. Il m'en manque combien? 3 ici. 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. 11, 12. Il me manque 12. Sachant que là, le truc du portrait craché, j'ai cru voir que je n'avais qu'une lune alors que bah, y en a deux normalement. Quoi. Ok. Ouais donc je l'ai fait qu'une fois en fait. Mais là la difficulté, voilà c'est qu'on voit que dalle. Merde. Ah oui putain. Et vraiment tout disparaît quoi. Ah j'ai peur qu'il louche trop là. Bon après j'ai l'avantage de la rediff. Il manque quoi du coup? Oh putain il me manque la moustache. Mmh. Ouais je le vois là. Oh putain et les yeux je sais plus où est-ce que je les ai mis. Ouais, je le vois là avec les sourcils, les yeux je les ai mis trop haut. Bon j'espère faut pas faire un énorme score. Parce que s'il faut faire 90... Bon ça va? Quoi? J'ai que 70 là vraiment? Attends, pour avoir un... Pour avoir que 70... Mais mec, mais je suis pixel pourtant. Mec. Ah, oh, c'est que j'ai inversé les sourcils, c'est pour ça. Ah putain. Ah ouais, mais ça, je peux pas deviner. Hein.
Ouais, voilà. Au niveau des sourcils, j'avais fait genre celui-là à gauche, mais en fait, c'est celui-là à droite. Ouais, en fait, au niveau des sourcils, t'as un côté plus épais. Et je croyais que moi, c'était vers l'intérieur qu'il fallait les mettre. Bon, là, c'est probablement plus dégueulasse qu'avant, mais c'est probablement mieux parce que là, bah, j'ai pas inversé les sourcils, quoi. Mais si ça se trouve, j'ai inversé les yeux, le nez, je l'ai pas mis bien. Ah, mais les yeux, tu vois. Ouais, si c'est. Non, bah j'étais bien. Hein. Bon, je pense qu'on va commencer par la bouche. Et on va monter petit à petit. Oh putain, je sais plus c'est dans quel sens les sourcils. Attends, j'ai regardé un Mario pour voir. Putain, fait chier, j'avais retenu la position et tout. Ok. Ah non, ça a l'air d'être plutôt comme ça quand je regarde, mais je suis pas sûr. Ah putain. Attends, Mario. Mario, lune. PNG, je sais pas. Non. Mario défi Mario. Est-ce que je peux le retrouver? Mario défi dessin. Ouais, c'est là. Ok, donc là. Putain, mais faut le mettre hyper haut. Faut que je le mette genre là. Bon, j'espère que c'est bon parce que là, c'est marrant 2 secondes, mais bon. Oh, mais mec, 81, c'est... C'est fou, c'est vraiment les sourcils qui me baissent, j'ai l'impression. Bon, j'espère faut pas le refaire à level 90, parce que là... Ah putain... Bon, qu'est-ce que je pourrais faire comme lune encore ici? Il y a toutes les lunes de... Ah oui, il y a... Ah putain, c'est vrai, mais je sais pas si je vais pouvoir la faire. Ah, putain, j'ai loupé de l'argent là-bas. Attends, il me dit quoi, lui? Ah oui, non, il me parle du truc là-bas.
Est-ce que j'ai fait la lune de lui? Ah non, je l'ai pas fait. Merci Jover, je crois qu'il est temps que je rende maintenant, mais tu peux me ramener au pays des sables? Ah, il y a peut-être une lune là en plus. Ce serait logique. Bon bah arrive. Bon, faut que je regarde s'il y a casquette de Mario 64. J'espère qu'elle est pas trop chère parce que... ou qu'elle soit achetable là. Ah yes. Du coup, on manque deux trios. Bye. Au revoir. Oh, elle est tellement moche comme ça. Quel étrange véhicule. On dirait vraiment un skin d'un vieux mode. On dirait pas que c'est vraiment dans le jeu, tu vois. Je prendrais bien un moment de nostalgie, moi, si tu t'habillais comme un bon vieux temps. Incroyable. C'était la belle époque, je t'en prie, entre. Oh! Sympa, ça aurait été bien que Mario 64 ressemble à ça. Bon. Bon, le L is real, je vois pas à quel moment t'arrives à le lire. Hein. Le L, ok, mais après le reste... Non ! Oh putain ! Oh putain. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, en vrai ça va. Oh non, j'étais trop content. Donc 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ah putain. Ouais, mais après je sais plus c'est lequel. Mais attends, mais en plus je suis même pas en train d'aller au bon endroit là. 1, 2, 3. Oh 4, 5, 6, 7 et 8, 8. Thank you.
Ouais, je sais pas si on peut aller plus haut. Quel est l'intérêt? Ouais, je pense qu'on est au courant de ça après. Si on a atteint cet endroit, je pense qu'on sait déjà le faire, le jeu. Qu'est-ce qu'elle a dit? Nous nous entendons comme postérieur et chemisette. D'accord. Ah, il y a lui aussi. Hein. Ah, mais ça veut dire qu'il faut vraiment que j'aille parler à tous les PNJ. Bon, moi, j'ai bien envie quand même de... Parce que là, 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7... Ah, il m'en manque que 7. Hein. Vas-y, on va les acheter au tote bleu, là. De toute façon, je me suis fait beaucoup d'argent en vrai. Je me suis fait au moins 1000 pièces. Hein. Bon, après, il y aura aussi la lune du. La lune du chapelier, j'allais dire. Attends, quoi? Il y a une juste là? Oh putain, le Todd à musique, il est là. Ah, même là, c'est quoi la lune? Oh, le chien! Ah, j'ai pas fait la lune du chien. Bon, ça, c'est des lunes de Toadette, hein, je pense. Ah. Et la dernière, je crois. Mais attends, quand on regarde le soleil, je croyais qu'il y avait rien. Mais a priori, si. Attends, je vais quand même regarder un petit truc sur mon tel. Je ne trouve plus d'indices! Non, il ne trouve plus d'indices, misère. Attends, est-ce que ma batterie est rechargée? Ouais, c'est bon. Parce que j'en ai besoin. Ok. Bah, du coup, il y a lui à faire. Salut! J'ai parcouru le monde en quête de nouveaux sons! Nostalgie en mode tout plat, tout bloc. En fait, c'est juste de la musique 8 bits qu'il voulait. Ou peut-être qu'il voulait celle-là parce que c'était la première. Tiens, est-ce que j'aurais pas toutes les musiques du coup maintenant? Vu que j'ai fait tous les Todd normalement. Tous les Todd musicaux. Ouais. Bon, du coup, il y a le chien. Ah mais c'est insupportable, les quêtes, les lunes du chien, je les aime pas, genre. Elles sont trop longues. Et j'ai peur de devoir me balader avec lui, genre vraiment partout, pour trouver la lune.
Bon, je pense qu'on va aller aux endroits un peu notables. Alors là, doit y en avoir une, logiquement. Je pense tous les endroits où il y a des boss, déjà, il y a des chances qu'il y ait quelque chose. Pareil, genre là, je pense qu'il y a des choses. Genre là. Non, même pas. Ici, peut-être. Ouais, ça m'aurait étonné quand même. Moi aussi, j'écouterais bien un peu de musique. Ouais, logique. Je sais plus si je l'ai. Non, je l'ai déjà pris celui-là. Ouais, on va vraiment se balader partout. Ah, il a arrêté de me suivre. Putain, déjà. Je sais pas, non, je pense pas qu'il y a un truc à faire là-bas. Frustrant, là, il y a une lune qui est en train de me suivre, mais je sais pas où elle est. Je sais pas où faut aller pour la choper. Faudrait que je trouve aussi les deux pièces manquantes. Peut-être elles sont dans le château. En vrai, ici, ça a l'air d'être un endroit assez plat, c'est notable. Non, il n'y a rien. Putain, mais genre, là, ils trouvent rien. C'est un truc de ouf. OMG. Bon bah faisons tout le tour. Hein. Ah ici peut-être, non? Putain. Là ça fait des pièces ça. Putain, il y avait vraiment une lune là. Je l'ai vraiment fait par hasard. Et j'ai vu sur la rediff qu'il y avait vraiment une lune là. Bon, il me reste quoi du coup? Il y en a une là-bas. Bah tiens, bah, on va aller la chercher. Peut-être ici, là? Ah non. Ah, le voilà. Elle a l'air vraiment débile. Ah, est-ce qu'il y aurait pas une lune sur ça? Non, il n'y a pas. Oh, peut-être ici, il y a une bosse. Allez. Ah. Bah, la lune qui était là, c'était la lune du mec caché. Mais normalement, ils disent pas où il se trouve.
Bon bah j'imagine que c'est vraiment au début que ça se trouve, hein. Ils font des bruits de Splatoon les mecs. Oh non, me dis pas que c'est là et que j'y suis passé juste à côté avant. Blague. La blague, je suis passé à côté, OMG. Moi, bon, il me manque quoi du coup? Bah, il me manque plus que... Plus que les trois lunes qui sont là-bas. Et on va s'arrêter juste après. Et du coup, bah, prochain stream, on ira chercher toutes les lunes des autres pays. Dont les lunes de la face cachée. Enfin, du côté obscur. Ah, déjà là, on en a une. Bah, attends, je l'ai pas prise celle-là? Je croyais que je l'avais récupérée. Bizarre. Mais là, il n'y a pas un truc en regardant en haut. Non, il n'y a pas le soleil venant du haut. Attends, mais où est-ce qu'à quel moment il y a d'autres lunes ici? À part laquelle? Est-ce qu'il n'y aurait pas une lune en étant en mode roi et en s'asseyant sur sur le trône? Il y a des chances, hein. Il s'agit de celui de rétablisseur de la paix dans le monde. Non, 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 tu vas pas me les donner une par une. Oh non, putain, elle va me les donner une par une. Bon. Tu peux pas me dire j'ai réussi tel défi, tel défi, tel défi, tel défi, tel défi et me donner toutes les lunes? Non, tu peux pas. Ça, encore une fois, c'est des trucs typiques de Nintendo d'être inefficace. Ah, ça doit rendre fou dans quand tu fais le 100%. En mode juste tu récupères des lunes, t'en récupères, t'en récupères, t'en récupères. D'ailleurs, dans le 100%, en vrai, ça doit être chiant parce qu'il faut faire beaucoup de trucs quand même. Après, je pense que si tu prends vraiment toutes les lunes du jeu, tu devrais arriver à ça. Ah, la chaîne Pro Safia Gaming, il est pratique hein, quand même. Hein. Il fait tout. Hein. Une chaîne à 4 millions d'abonnés alors que c'est juste vraiment du gameplay simple de jeux vidéo. Et c'est même pas forcément lui qui les fait. Hein. Ça se trouve, il les récupère juste.
J'espère le truc des moutons c'est j'ai fait toutes les lunes liées aux moutons, le truc Lakitus c'est j'ai fait toutes les quêtes liées au Lakitu. Éminent horticulteur, alors ça je saurais pas dire parce que je sais même pas c'est quoi un horticulteur. Je sais pas, en plus il y a l'air d'avoir plusieurs lunes liées à ça. C'est quoi ? Coureur de lapichou, donc ça veut dire que j'ai eu tous les lapins comme ça. Je vais regarder, il m'en manque combien. Mec, j'ai que la moitié. Hey. Attends. Ah, c'est pas ce qui me semblait, il y a une faute. Grand maître. Et jeu du chapeau. Ah, roi du quiz. J'ai pas fait le dernier sphinx au final. En même temps, il n'y avait pas les réponses sur le site sur lequel je suis allé. Je sais même pas si j'ai toutes les transformations du jeu. Il doit m'en manquer deux, je pense, grand max s'il m'en manque. Ah non, maître chapimorphose, je les ai peut-être toutes. Je sais pas, on va regarder après s'il me manque des choses. Mais à part des vêtements, je vois pas ce qui me... Enfin, à part des vêtements, je pense que j'ai tout. Par exemple, tu vois, j'ai toutes les musiques. Tu vois, ça serait bien juste qu'il te montre la liste des lunes que tu viens d'avoir. Que tu débloques. Et juste, paf, on te donne toutes les lunes d'un coup. Ah, bourré de pièces, on arrive vers la fin là. Regarde toutes les lunes que j'ai à gauche, c'est ridicule.
Mais par contre, je vois pas à quel moment là il me manque des lunes, à part celle-là. Mais pour moi, c'est qu'il y a eu. Pour moi, vraiment, c'est qu'il y a une lune là. Mais je dois avoir probablement le. La bonne tenue. Tu vas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et du coup, bah après, il me manque rien. Bon du coup il me manque toutes les lunes Ah non attends on va pas s'arrêter maintenant. Ah oh il y a quelqu'un qui m'a dit c'est un domaine le donjon d'un adepte sur une de vidéo. Mais écoute j'en ai rien à foutre. Mais oui du coup en fait dans le pays de la lune il y en a d'autres que j'ai pas prises. Attends, du coup, ça m'a donné combien de lunes, là? Je suis à 833, donc là, j'en ai récupéré 60. C'est tout? Ouais, du coup, sur le côté obscur, il me manque quand même quelques lunes, donc on va aller les récupérer. Oh, attends. Ah, je suis peut-être un peu trop à gauche. Oh, quoique. Non, c'est bon. One shot. Ah, ça doit être le pays des nuages, là, celle qu'on vient de voir, je pense. Et du coup, en dessous, là... J'ai un doute, je sais pas si on l'a fait ça. Ah mais il y a bien une lune ici du coup. Et est-ce que je l'ai faite celle-là du coup? Ah non, je l'ai pas faite. Bon, en vrai, est-ce qu'on les ferait pas celle-là quand même? Putain mais attends c'est vachement dur ça en fait. Ah oui non c'est bon il nous donne beaucoup de vie. Bon allez tant pis. Ok. Je pense que cette lune, faut juste rusher un peu. Ça va être les deux dernières lunes qu'on va faire, ces deux-là, parce que bah, je les avais pas faites, tout simplement. Et pourquoi là j'ai que 3 vies et tout à l'heure non? Mais what the fuck? Je ne comprends pas pourquoi j'avais 6 vies.
J'ai rien récolté pourtant. Bon, tant pis, on la fait pas celle-là. Mais ça, c'est le genre de lune impossible pour moi. Si t'as pas 6 vies, cette lune est impossible. Bon, du coup. Vous savez quoi, on va vraiment s'arrêter là parce que, en fait, je viens de me rendre compte, mais il y a encore une autre lune, donc ça sera pour une prochaine fois qu'on se fera ça. Je vais juste regarder quand même où se trouve l'autre. Ah ouais, c'est sur un bord de map où il y a la dernière lune de Yoshi. Ok. Eh ben, on va s'arrêter là, du coup. Incroyable. Ça aura pris 3 heures, là. Hein. Ça nous aura pris 3 heures et bah, on n'a pas fini, malheureusement. Il nous reste encore... Il nous en reste encore à prendre. Je sais pas combien, mais j'espère que j'ai bientôt fini. Donc là, il nous en manque 10, mais bah, il nous en manque 2. Enfin, 3 qui sont dans le château de Peach. Et après, bah, toutes celles de Toadette hein, qui me manquent. Il m'en manque 7, du coup. Donc, collectionner les souvenirs et les vignettes. Ça, c'est avec achetable avec les pièces violettes. Là, faut que j'achète 11 chapeaux encore. Et tenue aussi. Utiliser les trous de téléportation. Ça, je sais pas c'est quoi. Je sais pas de quoi il parle avec ça. Et c'est tout. Donc ouais, faudra que je regarde de quoi il s'agit. Sur cet endroit. Eh bien, je sais exactement ce qui me manque. Hein. Trésor oublié. Mais je n'ai absolument aucune idée d'où il se trouve. Celle-là, je me souviens plus. Et celle-là, c'est qu'il faut aller dans un autre pays pour trouver la lune, tout simplement. Ici, c'est une lune qui est en haut à gauche. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas où se trouve cette lune. C'est une sous-zone, mais je ne sais pas où c'est. Là, il nous en manque 3 de souvenirs. Il y en a une dans une sous-zone et les autres, je ne sais plus. Ah bah, j'ai carrément pas acheté d'indice. Celle-là, elle est en haut à droite, c'est ça. Et celle-là, elle est dans une sous-zone. Et l'autre, bah, je sais même pas c'est quoi. Mais je pense que c'est l'indice du pays. Ici, j'ai tout. Ici, il m'en manque plein et j'ai la flemme de regarder. Au pays de la mer, je crois qu'il me manque que le... Attends, c'est le cadre qui me manque ? Putain, mais je l'ai vu tout à l'heure, le cadre. Du pays de la mer, il était où? Bon, en vrai, tant pis. Ah, il est si, je sais. Et après, bah, les autres pays, bah, s'il m'en manque, c'est parce que j'avais pas assez de pièces. Sauf au pays de Bowser, mais la seule lune qui doit me manquer, c'est le... On le voit là. T'as une lune qui est tout en bas à droite, qui est toute seule. À sa gauche, t'as un cercle, et en fait, bah, c'est un cadre. Au pays de la lune, là, il m'en manque 2 qui se trouvent dans la Moon Cave. Et le côté obscur, il me manque que des tableaux. Quasiment que des tableaux. Il me manque aussi d'autres lunes. Mais que, bah, que je dois faire. Et que bah, là, bah, il me manque la lune de là. En dessous. Merde. En dessous, il y en a une autre, justement. Et il y en a encore une autre. Mais on n'y est pas encore allé. Mais du coup, normalement, il me reste 3 sous-zones ici. Bon, allez. Du coup, c'est la fin. Merci d'avoir regardé, bien évidemment. Et écoutez, moi je vous dis bien évidemment à la prochaine pour un prochain streaming. Pas de stream ce soir malheureusement, du moins très très tard, mais ça veut dire qu'il n'y en aura très probablement pas. Allez, merci d'avoir suivi, et on se dit bien évidemment à la prochaine pour un prochain streaming. C'était Yimb évidemment Leval, salut.